Nous avons reçu ce matin une forte délégation de la GECA, conduite par leur directeur général adjoint à la coopération financière. La délégation a voulu visiter le site de préparation du futur chantier de construction du pont de la Palmeraie. Je tenais tout d'abord à remercier la GECA pour son implication et le gouvernement du Japon qui a voulu soutenir ce projet d'importance capitale pour la mobilité urbaine de Djibouti. Cet axe est emprunté par plus de 37 000 véhicules par jour. Et comme vous pouvez le constater, l'ADR est mobilisé pour préparer les sites d'installation de chantier et surtout pour préparer la déviation qui permettra aux usagers de pouvoir circuler en toute sécurité durant les travaux. Ce qui est important de savoir, c'est que la préparation et la conception des infrastructures routières nécessitent du temps et surtout des ressources importantes. Et le gouvernement, convaincu du nexus de développement économique et infrastructures routières, a mobilisé les ressources nécessaires pour concrétiser ce projet. Il est aussi important de savoir qu'en mois d'août sera lancé au Japon l'appel d'offres qui permettra de sélectionner l'entreprise, et il est aussi prévu au mois de novembre de démarrer cette